Alors, on va maintenant vous poser la question. Est-ce que cette sortie, cette histoire-là, peut gâcher la Quel fin drama. De la belle histoire de Mbappé au PSG? Regardons vos réponses. Mais non, nous dit Alicia. Mais non, nous dit Loïc Tanzi. Mais non, nous dit Benoît Tremoulinas. Eh ben oui, les gars, les filles. Ah. Elle vous l'annonce ce soir. Laurie, tellement plus psychologue que vous. Non, pour Swan Borsellino. Et peut-être, merci d'être un vrai Raphaël Sebaoun avec Super ce, avec dur. Ce hein. Bon, Loïc, je commence par vous. Parce que vous suivez le Paris Saint-Germain, évidemment. Il y a eu la non-ti... Moi, j'aime bien qu'on fasse se rejoindre les deux situations. La non-titularisation à Nantes. Ah ouais c'est pas de match entre les deux. Et la sortie à la 65e. C'est pas que la sortie. Et plus la déclaration d'Enrique. Ouais. Voilà, oui. Qui dit va falloir apprendre à jouer sans lui. Alors que personne, à part les journalistes, n'ont annoncé qu'il allait partir. Au sein du club, en tout cas. Donc il est en train d'acter quelque chose qui n'est pas officialisé par son club. Bien sûr. On se demande. Si hier c'était pas un jeu dangereux, on se demande ce soir s'ils vont pas gâcher la fin de l'histoire. Je pense que ça peut gâcher la fin de l'histoire entre Luis Enrique et Mbappé. Mais pas avec le club, parce que tout le monde s'accorde à dire au PSG et autour de Kylian Mbappé lui-même d'ailleurs, qu'il veut partir tranquillement du club et qu'il veut pas créer de problèmes et qu'il veut surtout se battre avec le club jusqu'à la fin de la saison pour aller chercher cette Ligue des Champions. Donc c'est pour ça que pour moi l'histoire ne sera pas gâchée, parce que je pense que le club va rendre hommage quand même au meilleur buteur de son histoire. Mais ça c'est un fait. Vous l'aviez dit le jour où on a appris ça. Par la petite porte, il va faire la fête. Oui. Mais ça d'accord. Mais je vous parle sur le terrain. Est-ce que s'il joue plus que... En fait, il est à la chasse au record. Raphaël, nous montrez les... Vous les avez encore, là? On peut les rappeler. En tout cas, déjà, le fait que ce soit une saison record pour lui, puisqu'il est devenu le meilleur buteur cette saison de l'histoire du Parc des Princes avec 111 buts. Il y a le plus grand nombre de buts marqués en Coupe de France avec le PSG. Ce record, il l'a récupéré. Désormais, 30 buts. Et puis, le nombre de triplés au Paris Saint-Germain. Oui. 11 triplés réalisés par lui. Donc, voilà, il a déjà ses records. Après, il peut aller en chercher d'autres, peut-être. Les 38 buts de Zlatan, il en est à 21 sur une saison de Ligue 1. Ouais. Les buts sur une saison toute compétition confondue, ça c'est difficile à aller chercher. Il en faut encore. Il reste pas mal de matchs. Tu peux quand même. Voilà, il y a peut-être aussi c'est égaler le record de quadruplé en Ligue 1 avec le maillot du Paris Saint-Germain, c'est 2. Et puis il y a ce record qui peut être atteignable, hein, des buts sur une saison de Coupe de France avec le Paris Saint-Germain. 6, il en a déjà. C'est 10, il en a déjà marqué 6. Donc il y a encore des choses à aller chercher. C'est sous cet angle-là, parce que vous savez très bien, et vous le suivez au plus près quotidiennement, c'est un chasseur de records. Ouais. Qui compte presque ses buts à l'entraînement. Et là, vous allez me dire que s'il joue moins, il va atteindre ça, alors qu'il les a. Si Raph les a, les tableaux, si nous, on les a, il les a aussi. C'est important pour qui, ces records, à part pour lui, honnêtement? C'est ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que ça ne va pas gâcher sa fin d'histoire? Oui, lui, il va peut-être un peu... Il est contrarié, d'ailleurs, à ne pas s'en cacher. Il est contrarié par ce qui se passe aujourd'hui. Mais si demain, il marque en quart de finale de Ligue des Champions et qualifie l'équipe pour les demi-finales. Déjà en 8e. En 8e, mais bon, je pars du principe que ça part, c'est bien engagé pour le club. On va y aller tranquille. On sait jamais, mais c'est bien engagé. Non, parce qu'on les connaît un peu les papas, donc on va y aller tranquillo. Quand même. Hein, oui, bah non, quand même. Attends. Hein. Bon, j'y crois. Assumez très bien. J'y crois. Je leur souhaite, mais attendons. Juste, c'est quand même un aveu de faiblesse terrible pour le club et pour Luis Enrique. Ça veut dire qu'avant cette histoire, s'il annonce qu'il reste, il joue tous les matchs. C'est lui qui décide, en fait, de jouer ou pas jouer. Mais c'est ce que disait Luis Enrique à un moment, d'ailleurs. C'est assez terrible pour lui et pour le PSG et pour le coach. Parce qu'en fait, ils ont pas la... ils font pas ce qu'ils veulent avec Mbappé. Et pour moi, c'est le plus gros problème avec la déclaration de Luis Enrique. On comprend surtout tout ce qui se passait avant pour Kylian Mbappé. Ouais, alors c'est vrai qu'il y avait un côté... J'allais dire privilège, Laurie de l'Hostal, je ne sais pas. Expliquez-moi votre oui. Après, sur la fin. Après, il y a des joueurs qu'on traite différemment et c'est normal. Regardez, vous avez une loge et eux, non. Ils sont avec des lices dedans. Bien sûr. Ouais. Non, parce que moi, je franchement, j'ai été ultra choquée par la déclaration de Luis Enrique. Je trouve que ça commence déjà à gâcher l'histoire. Ils auraient pu tous s'en sortir dignement et je pense que c'est ce qu'Mbappé va essayer de faire. C'est pour ça, d'ailleurs, que je pense qu'il a essayé de prendre son visage le plus... impassible possible de faire la poker face quand il est sorti. Mais Luis Enrique, en montrant cette phrase, en disant cette phrase de il faut qu'on continue à apprendre à jouer sans lui, je trouve que c'est un aveu de... Je sais pas, de mauvais sentiments. Alors, vous savez, la vie que j'ai sur Luis Enrique, je n'apprécie pas la manière dont il communique avec les journalistes, parfois avec les joueurs, parce qu'il y a eu la non-titularisation, il y a eu aussi la petite phrase qu'il avait eue quand il avait marqué son triplé contre Reims. On sent que la relation n'est pas complètement fluide avec Mbappé. Je ne pense pas que l'histoire va être gâchée
Du côté de Mbappé, je pense qu'il va essayer de rester digne. Je trouve que là, Luis Enrique manque de dignité dans la manière dont il se comporte avec, avec Mbappé. Et puis, on est... Là, on parle d'une fin d'histoire. Là, on était... Il fait ça le 24 février. Il reste encore énormément de temps. Il y a encore énormément de choses oui, à aller chercher. Il reprend l'annonce. Il reprend le timing de l'annonce. En fait, c'est, lui, il estime que c'est Mbappé qui l'annonce maintenant son choix. Sauf que le timing de l'annonce, c'était aussi pour dire préparer la suite. Je vous permets de préparer la suite en l'instant le plus tôt possible. Donc c'est ça qui n'est pas logique. C'est un peu ce qu'il fait en vrai. Il a préparé un peu la suite, mais il prépare trop. Il la prépare depuis un petit moment et c'est aussi pour ça, d'ailleurs c'était une info aussi de nos copains du Parisien, vous avez aussi l'info, s'il met Barcola autant titulaire et Mbappé au centre, c'est aussi possiblement parce qu'ils ont déjà anticipé ce genre de choses. Alicia. C'est intéressant de parler de timing parce qu'on a comparé avec la fin d'aventure d'autres grosses stars parisiennes et justement le timing, souvent il se fait très tard. Par exemple, Zlatan Ibrahimovic, lui, décide d'annoncer officiellement son départ le 13 mai 2016. C'était sur son compte Twitter, une annonce tardive dans un style zlatanesque. Mon dernier match demain au Parc des Princes, je suis venu comme un roi, je repars comme une légende. Ibra pour le coup n'a pas manqué ses adieux, aide d'honneur à son entrée, tifo, ovation à la 10e minute. Si je peux me permettre, c'est le seul joueur au monde à être entré avec ses enfants, à avoir arrêté un match absolument. Tout seul. On n'a jamais plus revu ça de notre vie ailleurs. Effectivement, les trois changements avaient été effectués et lui, il est rentré avec ses enfants sur la pelouse. Mais bon, c'est Zlatan Ibrahimovic, on parlait de privilèges, lui évidemment, il en a eu. Et justement, je disais qu'il n'avait pas manqué ses adieux. Un doublé, un record, celui du plus grand nombre de buts marqués par un joueur du Paris Saint-Germain sur une saison, on a vu le chiffre un peu plus tôt. Bref, des adieux réussis avec le parc. Ce qui ne sera pas le cas avec Edinson Cavani, pourtant chouchou du parc, qui partira par la petite porte à l'issue de son contrat au 30 juin 2020. Sur fond de crispation, l'Uruguayen refuse la proposition du PSG de prolonger son contrat de 2 mois pour terminer la Ligue des Champions avec ses coéquipiers. Une décision qui est mal passée auprès de certains membres du staff, auprès de certains de ses coéquipiers et auprès de certains supporters. Donc là, il y a eu un mélange de tristesse, de colère et surtout un sentiment de gâchis, avec la fin de cette aventure. D'ailleurs, il prendra la parole 4 mois après l'officialisation de son départ dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux pour remercier les supporters et partir en bon terme. On termine avec le cas Messi. Messi parti lui aussi en fin de contrat. Là aussi, ça s'est fait tard. C'est le club qui l'a officialisé fin juin, avant le dernier match de la saison. Message très sobre, sans effusion. Le club souhaite, avec une émotion certaine, beaucoup d'autres succès à Léo pour la suite de sa carrière. On comprend bien que là, ça ne se termine pas très bien non plus. Bref, évidemment, on ne souhaite pas cette fin-là à Kylian Mbappé. Luis Enrique nous fait comprendre que personne n'est au-dessus du PSG, que personne n'est au-dessus du club, que si tu es bon, tu vas jouer. Si tu es moins bon, tu ne vas pas jouer. Est-ce que vous croyez au propos de Luis Enrique? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot ici. Nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est fait. On est parti. Alors, est-ce que vous croyez en Luis Enrique, les amis? Est-ce que vous y croyez vraiment? Vous y croyez? Parce qu'il nous a dit, juste après avoir sorti Kylian Mbappé, il nous a dit, on doit s'habituer à jouer sans Kylian. Tôt ou tard, il partira. Il a dit que tout le monde doit jouer, tout le monde doit avoir du temps de jeu. Moi, je pense qu'il tient sur du discours parce que Kylian Mbappé a annoncé qu'il va rejoindre le Real de Madrid. Pourquoi Luis Enrique ne l'avait pas fait auparavant? Pourquoi Luis Enrique ne l'avait pas fait auparavant? Pourquoi il ne l'avait pas fait? C'est parce que Kylian Mbappé n'avait pas encore pris sa décision. Je vous assure que si Kylian Mbappé était toujours dans l'impasse, c'est-à-dire s'il n'avait pas encore choisi le Real de Madrid, Kylian ne devait jamais sortir face à Rennes. Il ne devait jamais sortir. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Le PSG est mené 1-0. Le PSG est mené. Et Luis Enrique décide quand même de faire sortir Kylian. PSG est mené. Il décide quand même de faire sortir Kylian. Ça dit, il faut avoir vraiment du caractère. Et moi, je pense aussi que c'est parce que Kylian, il a refusé de prolonger. Parce que sportivement, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Oui, je veux bien qu'on me dise que non, c'est du coaching payant. Il a mis Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos a causé le penalty. Il a transformé son penalty, etc. Je veux bien qu'on me dise que c'est un coaching payant, mais les amis, vous pensez vraiment que si Kylian Mbappé n'avait pas encore annoncé
son envie de rejoindre le Real de Madrid. Vous pensez vraiment que le PSG devait le faire sortir? Moi, je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas, les amis. Donc, les amis, moi, je pense que Luis Enrique, montre les muscles à Kylian Mbappé parce qu'il sait bien, il sait très bien que Kylian Mbappé va rejoindre le Real de Madrid. Il sait très bien. Et ça arrange Luis Enrique. Luis Enrique, je suis presque sûr qu'il en avait marre de voir Kylian Mbappé prendre la lumière. Moindre chose, Kylian. Kylian à gauche, Kylian à droite. Je suis presque sûr que ça ne le plaisait pas de voir Kylian prendre autant de lumière. Parce que quasiment tous les matchs, même quand le PSG faisait de bonnes prestations, on mettait ça sur le dos de Kylian. On mettait ça au crédit de Kylian Mbappé. Et Luis Enrique, c'est un entraîneur de caractère, c'est un entraîneur qui a beaucoup de personnalité. Moi, je ne pense pas qu'il a vraiment apprécié ce comportement, cette mise à lumière des clients. Après, est-ce que le PSG va s'en remettre sans client? Normalement, si tu es un grand club, tu dois t'en remettre sans client, Mbappé. Si tu es un grand club, tu dois faire sans client. Beaucoup de clubs l'ont fait. Le Real de Madrid l'a fait sans Cristiano Ronaldo. Manchester United, lorsque Manchester United perd Cristiano Ronaldo, ils sont arrivés en finale de LDC. Sans Cristiano Ronaldo en 2011, ils ont remporté des titres sans Cristiano Ronaldo. Donc, si tu es un grand club, tu dois faire sans CR7. Le Real l'a fait lorsque Cristiano Ronaldo est parti à la Juventus de Turin. Le Real de Madrid a remporté une Liga. Le Real de Madrid a remporté une LDC sans Cristiano Ronaldo. Donc, les amis, les grands clubs doivent apprendre à faire sans le grand joueur. Et le PSG, si le PSG veut franchir le cap de grand club, ils doivent faire sans Kylian Mbappé. Ils doivent le faire. Et moi, je pense même qu'ils ont, l'entraîneur idéal pour faire sans Kylian Mbappé. Ils ont vraiment l'entraîneur idéal parce que Luis Enrique, c'est plus collectif. Luis Enrique veut prôner un football collectif au sein du PSG. Moi, je pense que c'est l'entraîneur idéal pour le projet actuel du PSG. Si tu m'avais pris Mourinho, là, je pourrais te dire oui, Mourinho, mais Luis Enrique, c'est un bâtisseur. Luis Enrique, c'est un entraîneur qui n'hésite pas à lancer des jeunes. Regardez peut-être Barcola. Barcola, les amis, c'est Luis Enrique qui l'a aussi lancé, qui le fait confiance. Luis Enrique n'hésite pas à mettre les jeunes en avant lorsque tu es talentueux. Il n'hésite pas à donner de la chance aux jeunes. Donc, moi, je pense que le PSG doit faire sans Kylian Mbappé, les amis. Parce que tous les grands clubs, à un moment donné, ils ont fait sans leur meilleur joueur. Après, partage-moi ton ressenti à commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.